Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est avec un pile plaisir nous rejoignons sur AC Radio 103.5 FM Stéréo. Telva Galture Bonboule, BBC Sports Live. Nous là pour nous porter pour vous un nouveau numéro passeport pour semaine. Pour faire ça rentrer la caillou, c'est grâce à support toute équipe là, coordination technique dans Miami, ingénieur Hérode Augustin, DP Caleb Deramo, Big Up, dans Studio Mernon, Pétionville, Dixie Mix. Nous saluons tous les amis dans 10 départements géographiques pays d'Haïti qui disponibles et disposés pour capable permettre tous les amis, auditeurs, internautes et téléspectateurs suivre ça en direct tous les jours à pareille heure. Bonne nouvelle pour la sélection nationale haïtienne des moins de 17 ans féminine qui démarrait contre CACAF U17 là par une belle victoire face au Costa Rica sur le score de 2-1. Jeune Grenadier Nouyo, vengé gros Grenadier Nouyo, nous songer tout récemment dans éliminatoire Gold Cup féminin, Costa Rica t'est imposé au dépens d'Haïti par 2-1. Il est obligé, voyez-nous, à jouer barrage pour nous participer dans la phase finale, première édition Gold Cup. Mais nous t'es dit, yo, batché en temps de mettre li. Et je dis à, mesdames et messieurs, ti Grenadier yo, gagné ti équipe costaricaine U17 là par 2-1 doublé de Ludjina Etienne 45+1 et 59e minute de jeu. Donc Haïti t'a mené 2-0 et ce n'est qu'à la 89e minute de jeu que équipe Costa Rica t'a sauvé l'honneur par l'intermédiaire de Daniela Ocampo. Donc très bonne sortie pour la sélection nationale des moins de 17 ans avec notamment notre attaquante Ludjina Etienne qui fait défense équipe Costa Rica ouais, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et permettre Haïti rentrer en grand monde nan kont CACAF U17 lan kap fèt nan vil Toluca au Mexique. Bravo donc à nos jeunes Grenadières qui permettre équipe haïtienne nan eh bien en position de force nan kont CACAF la. Rapidement on nous jette un coup d'œil sous 11 joueuses que coach Marc Auger t'a titularisé dans l'occasion premier match sélection U17 là dans compétition ça. Kimberly Prince t'est en bagol là. Nous t'ai joué également avec Julie Sapierre qui t'est porté numéro 3, Esther Valeus numéro 5. Dallan Chipierre, 6. Neissa François, numéro 7. Chesnaïda Nicolas, 8. Ludjina Etienne, double buteuse dans cette rencontre avec numéro 9. Pierre-Line Nazon, numéro 10. Ivna Murat, c'était capitaine équipe là, qui jouait avec numéro 17. Et puis gagné Annabella Fleurio, numéro 19, Désert Dominique Dossar 20. C'est très bonne entrée en matière pour la sélection des moins de 17 ans et le coach Marc
OG qui remporté premier match li nan compétition ça 2-1 face au Costa Rica. Yon l'autre fois encore nous féliciter les jeunes Grenadiers qui jouaient un bon football et qui rivaient remporter les 3 points de la victoire. Pas une meilleure façon yon équipe qui a commencé en compétition que par yon victoire. Contrairement à Jean nous qu'on habitué démarrer compétition yo, eh bien sélection U17 ça bail le temps et montrer et que nous capable compter sur yo jusqu'à la fin de cette compétition. Prochain match sélection nationale U17 là, c'est pour samedi prochain si Dieu veut. Face au Salvador, on a besoin d'une autre victoire pour être capable de consolider la première place là et même assurer qualification pour le prochain tour dans cette compétition. On l'autre fois encore, nous souhaiter bonne chance, bon succès à la sélection nationale féminine des moins de 17 ans. Je suis rentré la caillou grâce à No Our Plus, c'est une nouvelle compagnie qui rentre dans la communauté haïtienne aux États-Unis, mais particulièrement du côté de New York, un grand monde. No Our Plus Home Services débarqué dans la communauté new-yorkaise, un grand monde en pimpant, en plume de pan, pour capable vin résoudre tout problème que nous gagnons dans kay nou dans l'état de New York. Aucun problème en dans kay la, problème dehors, problème roof, problème plafond, problème cuisine, nous besoin peinturer ou bien repeinturer kay la. Rele No Our Plus Home Services nan 845-388-17. Ou gen longtemps ou te bezwen kon kompanyi de la trempe de No Our Plus Home Services pou te kapab ede ou jere dosye kay la. Moun New York, moun Spring Valley, moun Connecticut, moun Long Island, priye nou monte gras nou desan. Pas perdre du temps, prends numéro de téléphone ça. 845-388-17. Ou besoin, font estimation, pas fatigou. Ou va dépenser un goutte pour ça. Just relay spécialiste, No Our Plus Home Services, yo, nan 845-388-17. N'am avancé avec un show à vous matin, après-midi, à soir, dépendant des fuseaux horaires, dépendant de l'heure où à suivre nous, nous rappelez, vous branchez AC Radio 103.5 FM Stéréo, qui dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Delva Calcio Bomboul, BBC Sports Live, où à suivre Passeport avec votre serviteur Delva Blanc. N'a avancé avec information yo, mesdames et messieurs, l'international haïtien Ricardo Adé désigné meilleur défenseur central du foot équatorien 2023. Pendant année ça, Ricardo Adé t'est empoché tout sur son passage, particulièrement au niveau de la défense. Monsieur présentait des chiffres extraordinaires, des chiffres impressionnants, que ce soit balle au pied ou encore dans les balles aériennes. Ricardo Adé était étonné plus d'un
pendant saison 2022-2023 en Équateur, au point que lors du grand gala organisé par la Fédération équatorienne de football pour capable récompenser les meilleurs joueurs dans différents postes, eh bien c'est notre grenadier Ricardo Adé qui décrochait trophée meilleur défenseur central 2023. Best défenseur central 2023 en Équateur. Pas gain sorti de là, pas gain discussion dans ça. Ricardo Adé amplement mérité récompense ça compte tenu du fait que pendant année 2023, pas de gagné aucun défenseur central équatorien qui t'a fait mieux que lui. D'abord, équipe lui a remporté Copa Sudamericana pendant année 2023 et équipe Ricardo a sacré champion également en Équateur. Donc Ricardo Adé parmi tout joueur haïtien qui a évolué à l'étranger, même ça qui a joué la caillou tout bon, la caillou pas gagné football depuis 3 ans, pas gagné aucun footballeur haïtien qui se fait mieux que Ricardo Adé pendant année 2023. Et c'est pas sans raison qui fait que équipe sportive Ticket Magazine a désigné Ricardo Adé comme meilleur joueur haïtien pour l'année 2023. Pas gagné discussion dans ça. Donc Ricardo Adé t'es plané au-dessus du lot, mesdames et messieurs, pendant année 2023. Donc, sans discussion, Ricardo Adé, c'est meilleur défenseur central pour football équatorien, hein? Mais meilleur joueur 2023 haïtien. Bravo, donc, à Ricardo Adé, n'espérez grandement et vivement que Ricardo garde belle forme ça avec club li en Équateur en façon pour le fin répéter même performance sa yo en sélection nationale. C'est vrai que il y a des monde qui ka dit il y a quelques petites réserves sur Ricardo pour sélection nationale particulièrement en 2023, yo reproché plusieurs bouds et que monsieur était fait, mais ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent, même dans les meilleures familles, les plus grands défenseurs centraux de la planète, dès qu'on fait erreur, on a d'un coup Kaiser Franz Beckenbauer, qui sont modèles dans le poste, dès qu'on fait erreur, on a d'un coup Blancouman, dès qu'on fait erreur, on a d'un coup Franco Baresi, monsieur, t'es qu'on fait erreur. L'autre, on a d'un coup Aldair, t'es qu'on fait erreur. Ou on a par exemple, d'un coup Paolo Maldini, y'a te kon fè erreur. Enzo Lorenz, qui te kon joue comme défenseur central, il te kon fè tirer pal. Gon joue fika te gen, te fè en pile. Et j'en y a eu de ma compte sous son Jéric Théodore Joseph. Nèk sa son virtuose, son symphonie, tellement, monsieur, te fort nan position sa. Li même tout le kon fè erreur. Donc tout moun fè ti erreur yo. Donc, Ricardo Adé pa, on sait. C'est vrai que il était en manque de réussite dans sélection nationale là pendant 2023, pas seulement lui-même, mais c'était toute équipe là. Nous éliminer dans premier tour Gold Cup, c'est vrai que gain des fois attaquant yo, il perdu quelques duels ou bien tout des fois nèg yo shooter ballon dévié dans pied, équipe là prend goal, mais ça arrive souvent même dans les meilleures familles. Donc et erreur ça yo que te commettre pendant 2023 en sélection nationale particulièrement pas capable retirer rien dans belle performance li réaliser en club qui fait de lui meilleur défenseur central football équatorien 2023 et meilleur joueur haïtien pour l'année 2023. Félicitations à Ricardo Adé, le natif Artibonicien, pour belle saison ça que le réaliser en club particulièrement. Donc on y a peuple haïtien attend Ricardo Adé en juin prochain si Dieu veut pour les éliminatoires de la Coupe du monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Haïti non groupe qui à la portée de lui. N'a besoin tout grenadier nous yo
en très grande forme, en pépin, en plume de pan, pour capable défier tout adversaire yo et ramener la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 52 ans plus tard. Nous rappelons une dernière fois, Haïti a participé à la phase finale de la Coupe du Monde, c'était en 1974. Nous sommes en 2024. Donc, juin prochain, si Dieu veut, a fait exactement 50 ans depuis Haïti te saute dans la Coupe du Monde. Et c'est au mois de juin que nous avons démarré éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Et si nous arrivons à prendre un billet qualificatif pour faire la finale Coupe du Monde là, ça va le faire exactement 52 ans depuis nous retourner dans la Coupe du Monde. Et je me dis ça déjà, m'a répété depuis me connais, m'a regardé football, m'a suivi sélection nationale là. D'abord comme haïtien, comme fanatique Haïti. Ensuite comme directeur d'opinion, comme journaliste. C'est première fois Haïti dans groupe et Jean éliminatoire va le dérouler. Haïti, c'est première fois qu'il a autant de chances bon côté après 1973. Pour t'arriver qualifié pour phase finale de Coupe du Monde. Mais qu'on est, jouant éliminatoire Coupe du Monde, c'est pour mes affaires. C'est vrai que adversaire, nous gagnons, nous qu'a trouvé que, yo, à la porte, nous, et c'est pas de grand calibre dans affaires football. Mais attention, c'est éliminatoire Coupe du Monde. Ça nécessite une très bonne préparation. Ça nécessite stabilité. L'autre là t'a dit n'a besoin la peine en tête mais tout faut gagner la peine en poche pour n't'arriver en quelque sorte défier Curaçao, Sainte-Lucie, Barbade, Aruba prend une dans deux billets qui disponible dans deuxième tour là et qualifié pour ronde finale là et dans ronde finale là il y a 12 équipes ça va diviser en 3 groupes de 4 et vainqueur chaque groupe ça yo a qualifié directement pour la phase finale de la Coupe du Monde. Pour éliminatoire Coupe du Monde, ça, nous pas prendre contrat ni Mexique, ni États-Unis, ni Canada. Trois poisons, ça, a toujours pas nos problèmes. Dans la dernière Coupe du Monde, Qatar, c'est Canada qui a éliminé nous. Nous songeons ça, ils ont battu 1-0 Haïti et ils ont battu Chicago. So, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, États-Unis pas plat. Canada papla, Mexique papla, donc nous gagnons, moins capable de dire, avec un petit mot sur stabilité, un petit mot sur la paix, avec la réouverture du stade Silvio 14, si sélection nationale nous a retourné à jouer Haïti, retourné, vine by peuple haïtien en plaisir, à coup sûr, nous capables de décrocher. Yon un billet qualificatif yo pour la phase finale de la Coupe du Monde. Donc, outre Ricardo Adé, nous allons miser également sur la forme de Franzi Piero, moi estimé que c'est des meilleurs avançants haïtiens pour l'année 2023. Nous allons miser également sur Nectako Alfred Sinté, nous allons miser sur Dickens Nazon, sur Carnegie, sur Johnny Placide, pour nous citer ça yo seulement, pour nous voir comment nous t'a capable river défier adversaire nous yo, notamment Sainte-Lucie, Curaçao, Barbade, Aruba. Une autre fois encore, nous souhaiter bonne chance, bon succès à la sélection nationale haïtienne senior. Donc si ça Ricardo fait en 2023 en club, il est capable de répéter en sélection en 2024. Si sa Franzi Piero fait un club en 2023, il est capable de répéter en sélection en 2024. Même Jean avec Alex Christian Junior, avec Carnegie, Dickens Nazon. Pour nous citer ça seulement, à coup sûr, nous capables de décrocher un billet qualificatif pour la phase finale de la Coupe du Monde. Une autre fois encore, nous souhaitons bonne chance, bon succès
à la sélection nationale haïtienne. Nous toujours disons, meilleure façon pour supporter plateforme Delva Calcio Bomboul BBC Sports Live, c'est juste commander un package produit Delva Calcio Bomboul. Relez-nous Kounia dans 305-206-0022 pour capable commander dentifrice Propolis là, un dentifrice 100% naturel qui fait à base de miel. Et puis, nous gagnons Emoïm nan qui est bon pour capable booster système immunitaire, sans compter Cop Delva Calcio Bomboul là, Brosse à dents, porte clé et latrier. Relez-nous dans 305-206-0022 pour capable commander un package produit Delva Calcio Bomboul. Gold Cup féminin 2024 Haïti nan boule 17 février prochain si Dieu veut, sélection nationale féminine nan gros équipe là pour affronter Porto Rico dans cadre barrage pour la phase finale de la Gold Cup. On a besoin en victoire, son match de vie ou de mort, un match à élimination directe. Haïti pas doit gagner, doit aller voir. Nous doit battre Porto Rico coûte que coûte pour nous capable prendre billet qualificatif. Nous intégrer groupe B avec Brésil, Panama, Colombie. En cas de qualification sélection nationale féminine, non. N'a joué premier match dans la compétition hein, le 21 février face au Brésil. Déjà, équipe Radio Télé AC, BBC Sports Live, Delva Calcio Bomboul, motivé on ne peut plus pour capable couvrir phase finale Gold Cup là, poter ambiance boule là, la caillou, dans machine, sous téléphone. Quel que soit côté Haïti, AC Radio 103.5 FM stéréo à toute l'autre fréquence ville de province a pas accompagné ou pour capable gagner toute information concernant Gold Cup féminin. Donc ou même teaser boule Joe Canel machin boule ou même qui gagne business na communauté a que ce soit Haïti ou à l'étranger, ou ta remè bay gros visibilité à business ou ta remè augmenter chiffre d'affaires, eh bien, meilleure vitrine pour exposer produit ou là, yore l'el AC Radio 103.5 FM stéréo. Rele nous sur Haïti nan 37 26 69 19 37 26 69 19, ou capable écrire nous sur WhatsApp également, mais soit à l'étranger, soit États-Unis, Canada, France, Mexique, quel que soit côtoyer en dehors d'Haïti, ou capable écrire nous sur WhatsApp 305 206 0022, on soit capable reler nous directement, n'a chita, n'a négocier avou, n'a ba ou meilleur package qu'il faut pour capable accompagner équipe AC Radio aux États-Unis, particulièrement dans l'État de Californie, pour la première édition de la Gold Cup féminin, qui était nous dit en substance, équipe AC Radio a déjà gagné accréditation pour couvrir Gold Cup féminin. Il était tout simplement sponsor qui doit accompagner nous pour nous poté ambiance boule là la caillou et ceci quel que soit côtoyer dans monde là déjà n'a voyé un gros big up pour Nor Our Plus Home Services qui gagne base lead du côté de Spring Valley avec déjà réservé place li pour faire route là avec AC Radio 103.5 FM stéréo Delva Calcio Bomboul, BBC Sports Live pour la première édition de la Gold Cup. Donc, No Emplos Home Services, Chita na 36 Lune, Côte Spring Valley, New York, Zip Code là 109-77. Téléphone pour capable reler No Emplos Home Services pour une consultation gratis 845-300
88-17. Quel que soit service ou besoin pour caillou, intérieur, extérieur, roof, plafond, cuisine, peinture, Releno R Plus Home Services dans 845-388-17. Col Copla sous AC Radio 103.5 FM Stereo, c'est également un courtoisie d'Excel Medico Associates. Excel Medico Associates, Chita dans 139-36 Nord-Ouest 7e Avenue, Miami, Florida. Téléphone 305-364-5778. Relez dans le numéro de téléphone Sakounia sous Miami pour capable de mettre un rendez-vous pour venir connaître dans qui état santé ou yé. Yo souvent dit la santé c'est richesse. Donc, plus gros bien, bon Dieu te kap ba nou, c'est santé. Parce que sous pas en santé, ou pas ka travail, ou pas ka occuper famille ou. Ou pas qu'à prendre soin petit tout, ou pas qu'à faire absolument rien sous pas en santé. Et meilleure façon pour qu'on ait état santé ou pour qu'on ait soit en forme, tant qu'on basse allemande, même Jacques, ingénieur Eco d'Augustin, même Jacques DP Caleb de Rameau, même Jacques Jean René, même Jacques Maître Mabial, eh bien, c'est Relais Excel Medico Associates dans 305-364-5778 pour prendre rendez-vous, pour faire un check-up général. Pour capable connaître dans qui est orié. Moi-même, grâce à Dieu, je suis en forme dans le combat allemande. Et bien, chaque année, je fais en sorte que je visite Excel pour pipiti deux fois. Dans la première partie année, je fais un check-up pour moi qui en saye. Et dans la deuxième partie, je fais même bagaille là. Et déjà, j'ai rendez-vous. Pour mal checker, pour me connaître dans qui est ta santé mieux pour l'année 2024 là. Donc, ou même qui peut faire ça, Zamim, profitez occasion, visitez Excel, yon baronti non jouet, Kaye Peuple là. Visitez Kaye Peuple là. Adresse là, c'est 139-36, Nord-Ouest 7e Avenue, Miami, Florida. Téléphone 305-364-5778. Docteur Joseph Durandis, Docteur Amicial, toute équipe Excel là, respect pour nous. Chose ça, c'est également yon courtoisie de Romon Barber. Guéri Romon, ancien goalkeeper, champion tout côté le passé. T'as vu ça, gâte choix de vous, je dis. Allo, allo, ingénieur Héroïde. Basse l'arrivée. Modulation. Changement. Romon Barber, c'est propriété Guéri Romon. Et pas gon moun Haïti qui ka dim, yo pa kon Guéri Romon ou bien yo pa jam tande parler de Guéri Romon. Guéri Romon son kol ki pète tout côté le passé champion. Il saute port de paix tout champion, là le au Cap, il champion ak Fika, là le Saint-Marc, il champion ak Tempête, li entre Port-au-Prince, champion avec Violette, la Macaye, les champions avec Akaye, les Vin Miami, les champions avec Little Haiti Football Club, son goalkeeper champion. Donc, tout côté Guéri Romon passé, c'est titre sous titre. Et bien, pendant M. Miami, là, il profite ouvrir propre entreprise. Li. Donc, Guéri Romon ouvre Barberly dans Miami. Eh bien, tout Tizabou, tout Jokanel qui est dans Miami, qui est dans zone Broward, zone West Palm Beach, ou même tout cap suivre nous Haïti, qui deux passages aux États-Unis, particulièrement Miami, ou t'as aimé pour un frais shop, un bel coupe, ou t'as aimé retourner à Haïti frais, même Jean Guéri Romon mette un frais là, eh bien, relè goalkeeper champion, Guéri Romon dans 954-348-1720. Chose ça, c'est également yon courtoisie de Intim Financial Services. Intim Financial Services de Maître Yves Gustinville. Maître Yves Gustinville, c'est champion dans affaires dossier taxe. D'ailleurs, son enroll agent, son avocat qui plaide dossier taxe devant ARS. Ou même qui finit pour un pile coup de bas,
qui par contre qui ça pour faire ou charge à dette ARS sans les poser les sous tout soit possédé prior monter grâce ou descendre. Relais maître Yves Gustinville, enroll agent communauté dans 786 663 68 35 pour capable gérer dossier taxe kounya. Mes amis, pour taxe 2024 là, pas garder à gauche, pas garder à droite. Fixez yo devant sous Intime Financial Services. Relais d'Alva Calcio Bomboule, taxe préparée pour là dans 305 206 0022. Qu'on soit capable de briller. Madame Joacimène au ciel, qui c'est en taxe préparé également dans 786 975 85 72. 786 975 85 72. Avec Intime Financial Services, c'est goal sous goal, pénal sous pénal, avec Intime Financial Services, ou déjà champion. N'a pas abordé pratiquement dernière ligne droite choix pour matin, après-midi, à soir. N'a pas abordé l'autre fois encore sur AC Radio 103.5 FM Stereo, Delva Calcio Bomboule, BBC Sports Live, ou à suivre Passport avec votre serviteur Delva Blanc. Sous YouTube Blanc, pas oublier abonner à la chaîne YouTube Delva Calcio Bomboule là. Sous Facebook, pas oublier follow page Facebook. Gouri va blanc d'Elva Calcio Bomboule là. Et puis nous sur TikTok et sur WhatsApp là, vous joignez nous. Si vous avez aimé faire partie de gros basse boule d'Elva Calcio Bomboule sur WhatsApp, vous un texte pour nous dans 305 206 0022 pour capable intégrer base boule ça. Sélection nationale féminine là, j'en ai dit tout à l'heure, démarrer contre CACAF U17 là par la plus belle des manières, yon victoire 2-1 face au Costa Rica. Et prochain match, c'est samedi 3 février prochain, si Dieu veut, face au Salvador. Donc, sélection a besoin yon victoire pour être capable d'assurer qualification pour le prochain tour. Et puis, la Gold Cup féminin, c'est du 17 février au 10 mars du côté de California. Mais avant nous arriver dans la phase finale là, nous devons passer par Porto Rico. Donc, 17 février prochain, si Dieu veut, Haïti gagne rendez-vous à Porto Rico, AC Radio, 103.5 FM Stereo, 10 départements géographiques du pays, en direct pour porter match Bulls à vous. Sponsor, jouette pour. Et puis, équipe Don Bosco de Bétionville là, dans fin mois de janvier, fêté 64e anniversaire de naissance li, bien non assez radio, Delva Calcio Bomboule, BBC Sports Live, nous retire chapeau nous bien bas pour nous saluer équipe Don Bosco, Pétionville là, nous souhaiter bonne chance, bon succès avec staff là, avec joueurs pour année 2024 là. Donc, meilleur bagay qui te arrive en équipe football, c'est le gain compétition la KLE. C'est le équipe là à jouer. Après environ 3 ans de disette, finalement, football pour recommencer à jouer dans le pays. Championnat national là, pour redémarrer au plus tard le 18 février prochain, si Dieu veut. C'est pour la possibilité pour l'équipe jaune et noire, eh bien, reprendre activité, refaire ça, les plus remé faire, à savoir jouer football, goumen avec Racine, Violette, Cavalli, ASC, Fika, Real du Cap, Tempête, Baltimore, Arcaye, pour être si capable de river remporter championnat national, football première division, version spéciale, qui t'a dû démarrer 18 février prochain, si Dieu veut. L'autre fois encore, nous souhaiter meilleurs vœux. Donc, joyeux anniversaire
au Don Bosco de Pétionville. Nous saluons le président Fort Jean-Baptiste et nous avons un gros big up pour Madame Louisie Oba, vice-présidente de la formation du Don Bosco de Pétionville. Agmuntos Agnos, Don Bosco de Pétionville, enjoy! Moment arrivé pour nous plier bagage tout bon vrai. N'a pour remercier toute équipe AC Radio dans 10 départements géographiques du pays, notamment Wiki qui bien branché là du côté du Cap Haïtien. Donc nous saluons tout le monde au Cap. Nous avons une grosse salutation pour Termilien Blanc qui branché nous depuis la ville du Cap. Nous saluons Yvon Pierre depuis Limbé, Don François Limbé également nous saluons. Nous saluons tout le monde qui a suivi nous en bas Limbé, mon cap suivi nous du côté de Jacques Mel, notamment Pouchon, Kadi, Nergli, Sœur Rose comment nous y est. Big up, système Ariane. Tout le monde s'est branché du côté de Jacques Mel. Nous big up pour nous. Nous saluons tout le monde au Kai, mon Jérémy, mon Latibonite, mon Plateau Central et tout le monde nord-ouest qui branché à ces radios 103.5 FM stéréo dans le moment. Et puis, tous les amis qui suivent nous sur Delva Calcio Bomboul, BBC Sports Live, pas oublier, abonnez à la chaîne YouTube Delva Calcio Bomboul là. Et mettez un like pour nous, quittez un commentaire pour nous. Ensuite, rejoignez-nous sous nouvelle page Facebook Gouriva Blanc, n'attendons, à suivre nous, rejoignez-nous également dans le groupe WhatsApp Delva Calcio Bomboul là, sans pas oublier TikTok, Instagram Delva Calcio Bomboul, BBC Sports Live, Radio Télé AC, c'est plateforme ça pour être connecté à Cli, sous ta remé gagner les meilleures informations sur le plan sportif. 305 206 0022 et puis 37 26 69 19. Merci Dixie, merci ingénieur Rod Augustin, merci également ADP Caleb de Ramo, Don Ned, respect, Don Gouriva, c'est un plaisir pour nous t'avoir. Nous avons un gros big up également pour Rosie, Yonan Boss, No Or Plus, Home Services, qui déjà réservé place li pour capable faire voyage là avec nous du côté de California pour la première édition de la Gold Cup féminin. Merci Rosie, merci également à Dr. Joseph Durandis, nouveau gros remerciement à Maître Yves Gustinville de Intim Financial Services, merci également à BFM, Mario Regard, comment nous y est, BFM qui va accompagner nous, également BMF, qui va accompagner équipe AC Radio pour la première édition de la Gold Cup. Nous bon respect, ça ne pas oublier, saluer candidat au Sénat pour le Congrès américain, Wood Joseph, trois coups de cano, pour la justice. Wood Joseph, nous bon respect, nous saluer également Juancito Francius, candidat pour député dans l'État de la Floride. Donc, nous voyons gros salutations pour Juancito et Francius. Sans ne pas oublier, saluer Dr. Nadia Assad Kapkouri pour commissionnaire Lauderhill. Donc, nous saluons tout Mounsayo ou même qui est dans la communauté haïtienne en Floride ou bien États-Unis. Sous ta doué font choix pour 2024 l'an, eh bien choisi Wood Joseph, trois coups de cano, vérité pour sénateur dans le Congrès américain. Hein. Fait choix également de Juancito Francius, state représentative district 107 pour l'État de la Floride, et puis Dr. Nadia Assad, commissionnaire pour Lauderhill. 305-206-0022, merci tout le monde. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Restez branchés à ces radios 103.5 FM stéréo, Delva Calcio Bomboul, BBC Sports Live. Pour suite programmation, n'a pas cassé rendez-vous dans même l'heure pour nous continuer informer sur le plan sportif. Allez, ciao ciao. À bientôt.